Bonjour à tous. Donc, nous sommes Étienne Roudet et Vincent Vermeche, lead développeur et CTO chez DomRider. Notre métier, c'est de vendre du domaine expiré. Et donc, ça fait 2 ans maintenant qu'on est dans du microservice et on trouvait intéressant de vous faire un retour sur ce qu'on a, les ennuis qu'on a rencontrés, les solutions qu'on a trouvées, surtout sur l'année passée. Donc, on va vous faire un retour sur l'année passée. On a fait une grosse migration de monolithe vers le microservice. L'année dernière, voilà là où on en était, à peu près comme tout le monde, c'est-à-dire une API avec un gros serveur HTTP qui répond à tout. Si le serveur HTTP crash, tout crash. C'était assez gênant. On pouvait grossir, mais en même temps, dès qu'on voulait un peu grossir, on créait des effets de bord à peu près partout. Sur les sessions, sur les services, sur les cross-données. On avait des galères un peu partout. Pour vous donner un exemple, sur notre site internet, on a des enchères en ligne. Donc, il y a un an, on avait environ 400 utilisateurs qui suivaient nos enchères simultanément. Sachant que sur une fin d'enchère, 400 utilisateurs, c'est 400 navigateurs internet avec un script Ajax qui rafraîchit la page toutes les secondes. Impossible de mettre le moindre cache là-dessus puisque nos enchères, on veut qu'elles soient en live. Donc du coup, 400 requêtes secondes, c'était pas mal, notre monolithe, il gérait bien ça. Mais quand on s'est dit que quand on allait vouloir s'étendre et gagner en clients, passer à 400, puis à 4000, puis à 40 000 requêtes par seconde, notre gros monolithe, il allait avoir du mal à grossir comme ça. C'est pour ça qu'on a fait un peu de veille, un peu de recherche, à la recherche de la solution qui nous semblerait la meilleure pour pouvoir plus facilement scaler nos services. Et on s'est orienté vers les microservices. Pourquoi ? Parce qu'il y avait deux promesses principales. La première, c'était justement la scalabilité, le fait que si un de nos éléments, on avait besoin qu'il soit plus, qu'il résiste à une plus grosse montée en charge, on pouvait facilement le dupliquer, le tripler, le quadrupler, juste en dupliquant le petit bout de service dont on avait besoin. Et le deuxième point, c'était la résilience. C'est que justement, si un de mes services devait tomber, si jamais mon module d'inscription devait ne plus marcher, ça n'impacterait plus. Par exemple, mon module d'enchère, comme ça pouvait être le cas sur mon monolithe ou lorsque quelque chose plantait, tout plantait. En vrai, on a dû y aller vraiment progressivement. C'est-à-dire qu'on a encore des choses qui tournent sur du monolithe, mais on a quand même tout ce qui était service qu'on a réussi à isoler, où on a réussi à avoir une cohérence et vraiment extraire le service au complet. Ça tourne actuellement en microservice. Mais ce qu'il nous fallait, c'est trouver une solution en PHP pour gérer la transition. Parce qu'on ne pouvait pas se permettre de tout couper du jour au lendemain. On ne pouvait pas se permettre de dire, bon, ben, on va partir sur un cycle de développement de 1 an, et dans 1 an, on a la nouvelle version. C'était le bug assuré. Donc, on devait trouver, d'abord, côté PHP, une solution pour fonctionner en monolithe et en microservice. Les objectifs qu'on s'était donnés il y a 1 an, c'est d'être scalable, résilient, agile et de faire la transition souple. Quand on dit scalable, ça veut dire qu'on peut passer de 1 à 10 services assez rapidement en fonction de la charge. Par exemple, nous, les enchères se terminent à 15h. À 15h, on a besoin de monde qui soit prêt pour encaisser la charge. Résilient, ça veut dire que ça ne veut pas dire pas de coupure. Ça veut dire que si la coupure a lieu à 2h du matin, le temps que je sois prévenu, globalement, tout s'est résolu tout seul, en moins de 5 minutes. Agile, ça veut dire que n'importe qui chez nous est capable de faire une mise en production, ou de faire du déploiement, ou de faire un rollback s'il a besoin, ou d'ajouter un nouveau service sans avoir à passer par un sysadmin. C'était une belle lettre au Père Noël. C'était les objectifs qu'on s'était mis l'année dernière. Un des premiers choix qu'on a dû faire, puisqu'on parle de microservices, on parle de plusieurs entités qui sont toutes indépendantes, c'était de savoir comment est-ce qu'on allait communiquer entre toutes ces entités, comment est-ce qu'on allait transmettre notre message en PHP. Et le premier choix qu'on a fait pour gérer notre code PHP, ça a été d'utiliser le pattern du command bus. Le pattern du command bus, qu'est-ce qu'il a comme avantage? Le premier, c'est qu'il sépare vraiment, il permet de séparer entre chaque bus, ils vont être chacun complètement indépendants, et au final, ils n'auront aucune dépendance les uns envers les autres. On va pouvoir aussi, l'avantage du bus, c'est qu'on va pouvoir commencer à l'implémenter directement sur notre monolithe. C'est-à-dire que sur notre monolithe, on va pouvoir mettre nos bus en place. Et une fois que nos bus tournent, que nos bus sont testés, je vous ai dit qu'ils étaient faciles à tester vu qu'ils étaient minimalistes. C'est le cas.
Une fois qu'ils sont bien en place, bien testés, on va pouvoir les déployer et les isoler sur des microservices facilement après les avoir validé leur fonctionnement sur le monolithe. Enfin, un dernier point qui est très intéressant avec ce pattern, c'est qu'il est vraiment orienté métier. C'est-à-dire qu'un bus, ça va être une commande, ça va être une enchère sur notre plateforme, ça va vraiment correspondre à un processus métier. Et du coup, ça va être plus facile pour la compréhension. Un petit exemple par le code. Ici, on a un bus qui va nous permettre de passer une enchère sur un de nos produits. Donc, une commande, c'est divisé en deux parties principalement. C'est une liste de handlers. Une handler, ça va être une action bien précise à faire dans notre commande. L'intérêt de gérer une commande en plusieurs handlers, ça va être que lorsque le premier handler, ici, qui est l'ajout de mon utilisateur à mon enchère, va être effectué, une fois que cette action-là sera faite, je vais la supprimer de ma liste des handlers, ne restera plus que les deuxièmes, et si jamais je choisis d'exécuter ma commande sur un autre worker, sur un autre microservice, quand je la transporterai, il n'y aura aucun souci, et elle n'aura même pas conscience du fait qu'elle a à faire cette action, vu qu'elle aura été déjà effectuée précédemment. Et la deuxième partie de ma commande, ça va être son constructeur qui va nous servir à valider toutes les informations qu'on va lui passer en entrée. L'intérêt, c'est qu'une fois que notre commande est instanciée, on soit certain qu'elle ait vraiment toutes les données, tout ce qu'elle a besoin pour pouvoir s'exécuter sans problème derrière. Maintenant, je vais vous présenter un handler. Comme vous constatez, c'est avec des petits bouts de code très simples. C'est ce qui fait l'intérêt de ce pattern. Le handler, lui, il va bénéficier de l'injection de dépendance dans son constructeur. Donc ici, je m'injecte mon modèle d'enchère, par exemple. Et il va avoir la méthode handle, qui va être consciente de la commande qu'il exécute. Elle est consciente de son environnement, donc elle sait qu'elle est dans un acte d'enchère. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette méthode handle? Elle va juste faire vraiment toute la logique métier, tout le code qu'on va vouloir qu'il soit exécuté. Et si cette méthode ne me renvoie pas d'exception, je vais pouvoir considérer que mon handler s'est exécuté avec succès et passer au suivant. Comment est-ce que maintenant que j'ai écrit ma commande, comment est-ce que je l'exécute? Alors au début, on a commencé par utiliser SimpleBus, qui est une librairie, qui permet donc, on instancie notre commande AuctionRaiseCommand avec toutes les données dont on a besoin, qui vont être validées. Et lorsque on instancie une instance de SimpleBus qui va gérer l'exécution des commandes, et on handle le bus. C'est de la magie, c'est souple au niveau de l'exécution, ça nous permet de rajouter aussi dynamiquement des nouveaux handlers, mais ce qui est vraiment top, c'est les middleware. C'est-à-dire que notre commande, on va pouvoir lui ajouter des capacités. Là, par exemple, notre commande d'enchère, elle va pouvoir être réessayée si jamais elle plante, mais réessayée avec un délai incrémental pour ne pas pouvoir faire du bourrinage, parce que, par exemple, ça peut être la base de données qui plante derrière, donc on va lui laisser un petit peu de temps et puis on va monter incrémentalement. On va pouvoir faire de la délégation et donc arriver petit à peu, à rajouter ou pas, selon le contexte où on est, des fonctionnalités. Comment on fait ça? C'est... Oh! Dans l'autre sens. Eh ben ouais, j'avais mon doigt qui était au mauvais endroit. Désolé. Hop là. Donc comment on fait ça? C'est simple. Au niveau du bus, on ajoute des middleware ou pas. Par exemple, là, c'est notre process d'enchère. L'API, quand elle reçoit, elle, faut pas qu'elle bloque le slot HTTP. Si elle bloque, on a une saturation. Donc elle va tout de suite déléguer. Donc elle va implémenter la synchronous middleware qui va tout de suite transférer les données au worker. Le worker, lui, il ne veut absolument pas déléguer, sinon on finit sur de la procrastination sans fin, on ne s'en sort pas. Lui, par contre, il va faire du réessai en cas d'échec. Et quand il a terminé, il va transférer ça à un publisher qui, lui, va diffuser l'information, donc l'enchère, le résultat de l'enchère tel qui a eu lieu, à tous nos internautes. Lui, il a besoin ni de retry and fail, ni d'asynchrone. Lui, il envoie les données aux personnes qui sont présentes. À ce propos-là, il y a mercredi soir, pour ceux qui seront encore à Clermont-Ferrand, une conférence organisée par le LavaJug de Clermont, où c'est Mathieu Moquet de Blablacar qui viendra parler et qui va présenter CQRS, qui est quand même dans l'esprit, on va dire. Donc, merci pour ce premier schéma, Vincent, mais les flèches, c'est bien beau, ça n'a jamais envoyé de paquet. Donc, on va avoir une deuxième problématique, c'est comment est-ce que, effectivement, mon paquet va transiter entre mes différents microservices. Donc la première partie, c'est très simple, c'est mon utilisateur qui fait un appel HTTP vers mon API, donc ça, je ne vais pas vous faire l'offense de vous l'expliquer.
Derrière, on va pouvoir communiquer entre nos différents microservices. Et là, on va avoir plusieurs choix qui vont se poser à nous, plusieurs protocoles de communication. Donc, par exemple, dans le cas de la communication à API Worker, on va choisir le protocole HTTP. Le protocole HTTP, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il n'a pas besoin d'avoir une communication persistante oui, voilà, entre les deux entités. Il envoie, il récupère sa réponse et c'est bon, il libère. Au niveau du worker qui va vouloir communiquer au publisher, on va pouvoir utiliser par exemple ZMQ qui se base sur des sockets. On va faire du push, du pull. Le worker va envoyer l'information au publisher, il va pas attendre de réponse, quoi que ce soit, il va tout de suite libérer. Il va tout de suite se dire, voilà, j'ai fait mon boulot, c'est terminé. Le publisher, lui, va juste se contenter de récupérer les informations de son côté. Et enfin, pour le publisher, pour répondre à tous les utilisateurs qui sont connectés à notre site, qui vont vouloir savoir est-ce que l'enchère a été mise à jour, on va pouvoir utiliser des WebSockets avec une logique de PubSub, c'est-à-dire que toutes mes sockets vont se subscriber à mon publisher, et le publisher il va publier une information et ils vont tous la récupérer derrière. Donc comment ça se passe concrètement ? Ici, c'est sur mon worker qui va donc recevoir des informations de mon API. Donc c'est une console PHP. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle reçoit en injection de dépendance, elle reçoit HTTPD. HTTPD, ça fait partie de la lib RxNet qu'on vous présentera. HTTPD, ça va être un serveur web local qu'on va pouvoir lancer en PHP. Donc on va lui dire à notre serveur qu'on va attendre quelque chose sur la route slash en put. Et lorsqu'on a reçu quelque chose sur cette route slash en put, première chose qu'on fait, c'est qu'on répond. On envoie « OK, j'ai bien reçu le message », comme ça l'API pourra passer à quelque chose d'autre. Et une fois que ce « OK » a été envoyé, on va lancer notre bus. On envoie le syncbus handle avec notre commande. La dernière ligne, en fait, c'est la manière dont on lance le serveur sur un port donné qui va attendre les informations. On peut aussi communiquer, je vous l'ai dit, en utilisant ZMQ avec une méthode push-pull. Donc ici sur notre worker, quand on va vouloir parler à notre subscriber, on va juste faire un push, pareil d'un objet ZMQ qu'on aura récupéré grâce à la lib RxNet. On va lui pusher sur une adresse donnée, donc ici à l'adresse de notre publisher sur son port, et on va lui envoyer un événement. Une fois que cet événement est envoyé, on va pouvoir passer à autre chose parce que nous, on a fait notre travail, on a fait le push. Et le publisher, lui, va justement se dire, moi, je m'abonne sur le port 23499. Et à chaque fois qu'il recevra une information sur ce port, il pourra effectuer quelque chose. Ici, il va boucler sur toutes les WebSockets pour leur envoyer l'information comme quoi l'enchère a été mise à jour. C'est facile. On a atteint notre objectif là-dessus dans le sens où... une fois que ça c'est en place, on peut commencer à avoir à dupliquer nos microservices facilement. Ici, par exemple, on va voir qu'on travaille sur deux serveurs physiques différents. On va avoir deux publishers en PHP. On va avoir une API qu'on va pouvoir, si on veut, on va pouvoir en avoir trois frontaux. Notre worker de Rails, on va pouvoir le dupliquer également. Et l'intérêt, c'est qu'on a le vrai intérêt à ce moment-là, c'est qu'au final, si jamais on a un de nos workers, par exemple mon worker d'email qui envoie des emails. Si lui, il plante, bah, au final, le Rails, il va lui envoyer en ZMQ, par exemple, une information, mais ça ne va pas le bloquer. Quoi. Tant que si l'email n'est pas là, il ne va pas recevoir l'information tout de suite, elle va rester dans le tuyau, comme on dit. Mais le worker de Rails, lui, va pouvoir continuer à faire son boulot. Et le worker email, lorsqu'il reviendra à la vie, il va pouvoir récupérer, rattraper son retard et commencer à travailler. Là, on vous a présenté un de nos process métiers, au total, avec 4 services, mais au total, on en a 60 des processus métiers. Et ça représente, là, chaque rang que vous voyez, c'est un conteneur Docker. Et actuellement, on en a quasiment 400 qui tournent en production. Donc, c'est bien, c'est drôle, mais il nous fallait un coup de main pour pouvoir gérer tout ça. On avait vraiment besoin d'un coup de main externe, pas du PHP. Donc là-dessus, on est parti sur Kubernetes, comme disent les Américains. C'est un orchestrateur de conteneurs. Nous, on est parti sur Docker, mais il est capable de faire du Rocket pour ceux qui ont envie. C'est suivi, il y a Red Hat, par exemple, qui le suit pour OpenShift, pour implémenter OpenShift. Il y a Mesos qui est en train de migrer dessus. Bref, c'est du lourd et c'est assez stable. Nous, on l'utilise depuis un an. On a fait toutes les migrations sans aucun souci. Tout s'est passé assez correctement. Au final, c'est Google qui a mis en place, qui a mis open source les architectures qu'ils utilisent en interne.
la logique métier qu'ils ont utilisée pour gérer leurs quelques milliards de conteneurs. Donc c'est intéressant sur la façon dont ils l'ont développé, sur les composants qu'ils ont choisis. Ça fait que ça plante assez rarement. Je vous ai mis une petite vidéo qui est assez mignonne, où on voit quelqu'un en train de faire une mise à jour de d'un front-end en passant d'un million de requêtes secondes à 10 millions de requêtes secondes. C'est assez impressionnant à regarder. Donc chez nous, à quoi sert Kubernetes? Il nous sert à l'orchestration d'abord. Donc c'est lui qui va choisir, on a 15 machines, 15 nœuds physiques qui tournent, et c'est lui qui va, chaque machine a une liste de labels qui peut lui dire, toi tu feras telle spécialité. Si jamais une machine tombe, il est capable, Kubernetes, de déplacer sur une autre machine qui correspond le service automatiquement. On n'a rien à faire. Si un service tombe, il est capable de le relancer seul si on a décidé qu'il fallait le relancer seul. Si on peut aussi rajouter des liveness probes qui nous permettent de vérifier si le microservice est up en vérifiant si un fichier est présent, en faisant des requêtes HTTP, en vérifiant qu'elle voit 200, en faisant des requêtes TCP, en vérifiant que ça répond et que ça time out pas. Si ça time out, et qu'il le processe, il le redémarre. Il nous sert aussi à faire du routing. Le routing, qu'est-ce que c'est le routing? C'est ce qui va permettre de communiquer entre nos nœuds en utilisant des protocoles de communication, comme on l'a vu tout à l'heure. Il va notamment permettre que chaque conteneur va avoir une adresse IP. Donc là, un pod égale un conteneur égale une adresse IP. En fait, pod, c'est le mot qu'utilise Kubernetes pour définir un conteneur. Donc comme on a tendance à utiliser un peu les deux, on vous met la définition tout de suite. Et donc l'intérêt, c'est qu'on va avoir vraiment une adresse IP différente pour chacun de nos pods, donc pour chacun de nos microservices. On va pouvoir avoir devant chacun de nos pods un service. Un service au sens Kubernetes, bien sûr. Un service au sens Kubernetes, ça veut dire que dans le cas où derrière on va avoir plusieurs pods, par exemple je vais avoir trois workers d'enchères, devant je vais avoir un service qui va dire... Lorsque je reçois une information sur telle ou sur mon adresse à moi, sur mon adresse de worker d'enchères, je vais pouvoir redistribuer derrière en round robin sur un de mes trois workers pour dispatcher le traitement de la charge de mes données. Quoi. Donc un service va pouvoir balancer autant de pods qu'on veut. Enfin, le dernier point intéressant, c'est qu'un service, ça a une entrée DNS. Donc au lieu de m'adresser à mon service en utilisant une adresse IP, je vais pouvoir définir que pour parler à mon worker d'enchères, je vais taper sur l'adresse worker.auction.dumbreader.com par exemple. Autre chose que nous permet de faire Kubernetes, c'est le scaling. Je vous en ai parlé, on vous en a parlé, on en est très content. Ça va permettre facilement de dupliquer nos workers. Donc là par exemple ici, j'ai décidé de passer à 5 workers d'auction, donc 5 microservices pour gérer mes enchères. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et si je veux réduire, c'est aussi simple que ça aussi. Dans la même veine, on a aussi la partie déploiement qui est gérée un peu dans la même logique, c'est-à-dire qu'on va créer notre nouvelle image sur notre dernière version, donc ici la version 1.3.7. Ça va créer, Kubernetes va se charger de créer la version à partir de la dernière image Docker à jour. Une fois que ça sera fait, il va basculer, le service va basculer le routage sur la nouvelle version et il va détruire l'ancienne version. Dans le même sens, si vous en avez besoin, vous pouvez aussi revenir en arrière. Vous pouvez revenir en arrière. Donc là, si je veux revenir à la version 1.3.6, je peux le faire de la même manière en changeant juste mon numéro de version. Ça permet aussi de gérer sur des microservices les stickés sur une version donnée afin d'éviter des effets de bord qu'on ne désirerait pas. Si vous voulez gratter sur Kubernetes, Google le propose sur son Google Cloud, donc c'est à peu près les mêmes tarifs qu'Amazon, sauf qu'il propose Kubernetes d'entrée. Vous pouvez aussi partir sur le setup, ce qui prend un peu de temps, mais par contre, le coût le vaut bien. Mais si vous voulez partir sur de l'architecture aussi simple, il y a des applications en simple clic, type Rancher, qui est extrêmement simple à installer et qui vous permettra de faire 90% de ce que fait Kubernetes. Maintenant, c'est l'architecture et les microservices, ça n'a pas tout réglé. On a eu des problèmes qu'on n'avait pas avant. Typiquement, comme problème qu'on avait avant, c'est les logs. C'est assez simple de trouver un log quand on a un monolithe. On se connecte sur le fichier log des monolithes et puis on le rep, on recherche à l'intérieur. Maintenant, quand on a une enchère qui a été reçue par une API sur un nœud, qui a été envoyée à un worker sur un autre nœud, qui a été déléguée à un worker sur un autre nœud,
pour arriver finalement au publisher sur un autre nœud, la quête n'est pas si simple. Donc là-dessus, on a choisi de partir sur... tous nos microservices sortent sur STDOut, ce qui nous permet d'avoir, de voir en live l'état d'un microservice avec Kubernetes. Il nous donne accès au log assez facilement via JournalD. Ensuite, tout est envoyé sur un FluentD qui renvoie sur un Graylog. Et là, on a une interface web qui nous permet de rechercher, de triturer, de voir nos données. On a choisi Graylog parce qu'il nous permettait de faire des extracts assez simplement des données qu'on recevait et pouvoir faire des filtres par application. Donc il y a une formation ELK, c'est typiquement dans la même veine. On a aussi décidé de centraliser les bugs, parce que comme pour les logs, il faut partir en quête du bug. Donc là-dessus, on est parti sur un SaaS qui s'appelle Sentry. Ça coûte pas très cher, et pour le service que ça rend, ça nous file la trace complète, le service sur lequel ça a tourné, on peut lui mettre des données en plus, des jeux de données pour voir ce qui s'est passé. Il est capable de rejouer les données quand c'est sur le front, et ça simplifie quand même grandement la vie. Un autre besoin qu'on a eu, ça a été d'automatiser nos builds. Parce qu'on a une 15 ou 16 serveurs physiques actuellement, différents. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on publie une nouvelle version, vu que potentiellement Kubernetes va nous déployer sur n'importe quelle machine physique, on a besoin de mettre à jour chacune des machines avec la bonne image. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a utilisé, dans un premier temps, on a utilisé un outil pour automatiser les builds. Donc on a utilisé Jenkins, qui marche très bien, avec une interface web redoutable et sexy. Qu'est-ce qu'on a fait avec Jenkins, en fait? Le principe qu'on a utilisé, nous, c'est qu'on est parti sur une seule et unique code base, c'est-à-dire qu'on a un seul et unique code qu'on déploie sur toutes nos images. Sauf qu'au final, on a des images qui vont être une image front, qui va utiliser que du JS et du HTML. On va avoir une image de notre API qui, elle, va avoir besoin d'un PHP FPM. On va avoir nos workers, eux, qui vont faire uniquement du PHP. On propose des services de WordPress. On va avoir des WordPress qui, eux, vont faire un LAMP. On va vraiment avoir beaucoup de choses différentes. Donc on va vraiment avoir besoin de builds différents. J'ai pas envie d'avoir MySQL sur mes workers parce que j'en ai pas besoin. Donc qu'est-ce que je fais ? Pour ça, je gère un fichier de version sur ma code base. Et à chaque fois que je vais incrémenter mon fichier de version, donc par exemple ma version worker, Jenkins, comme un grand, il va me créer une nouvelle image qui correspond à mon worker et à ma version. Donc ici, c'est l'image des workers. On va avoir la version qu'on va récupérer dynamiquement. Et Jenkins, on va lui dire de nous builder l'image avec cette version. Principal intérêt, ça va être pour tout ce qui va être mise à jour, rollback, comme on a vu tout à l'heure, on va pouvoir utiliser ces images-là. On a eu aussi besoin d'aide pour tout ce qui est monitoring. Parce que comme pour le logging, il nous fallait de l'aide pour surveiller les 400 conteneurs qui tournent. Sinon, c'est un mi-temps chaque matin, aller regarder que tout s'est passé correctement. Donc nous, on utilise Datadog. Au final, on lui envoie toutes les données. C'est un StatsD sous stéroïde avec la possibilité d'envoyer des monitors custom. C'est un SaaS qui ne coûte pas si cher que ça, à 15 $ par machine. Il y a des solutions open source qui vous font ça très bien, mais là, pour l'investissement, ça valait largement le coup. Donc on lui envoie toutes les données, et après, on met des alertes. Il y a tel threshold de courbe qui est descendu pendant plus de 3 heures. OK, envoie-nous une alerte, envoie-nous un warning. C'est resté pendant plus de 10 heures, fais une escalade, envoie-nous une erreur. C'est resté pendant plus de 24 heures, envoie un SMS ou passe un coup de fil, il y a un problème grave. Résultat des courses, on est assez détendu parce que tant que le système ne râle pas, c'est que tout va bien. Ce qui est plutôt un assez bon signe. On a aussi intégré il y a peu de l'InfluxDB pour réussir à suivre sur des suites performance à la microseconde, mais globalement, Datadog nous fait le gros du boulot. Au final, après un an de microservices, l'architecture ne résout pas tout. Au final, si on fait de la merde en monolithe, ce n'est pas en la découpant en microservices qu'on aura quelque chose de mieux. Le besoin d'avoir une maîtrise de son service, c'est-à-dire commencer en monolithe, histoire de connaître
où est-ce que s'arrête le service, où est-ce que ça pourrait être délégué, comment le découper. Ça prend un peu de temps, donc on commence monolithe, on suit microservice. Le bus nous permet vraiment d'avoir cette souplesse là. On a un peu galéré pour tout ce qui est non bloquant, parce que pour les workers on n'avait pas le choix d'être non bloquant. Donc il y a bien React qui fait du bon boulot, les libv qui font du bon boulot, mais qui au final il n'y a pas beaucoup d'interfaces communes. Des fois c'est des promesses, des fois c'est des events. Donc là-dessus on a passé pas mal de temps à faire notre tambouille pour réussir à avoir quelque chose de stable et simple à utiliser pour tout le monde. Oui. Sachant qu'au final, un des freins qu'on a eu, c'est quand même que toutes les solutions techniques qu'on utilise, que ce soit Docker, que ce soit Kubernetes, que ce soit le pattern du bus, ZMQ, c'est quand même un coût d'acquisition pour commencer à les comprendre pour certaines, à les maîtriser pour d'autres. Kubernetes, ok, la doc est géniale, c'est quand même bien fait, mais par contre, c'est quand même un sacré. Ça permet de faire beaucoup de choses et c'est assez compliqué de rentrer dedans. ZMQ, c'est simple par contre, hein, les sockets en ZMQ c'est très facile. Par contre, il faut bien maîtriser tous les effets de bord qu'on peut y avoir, on en a assez rapidement. Au final, on a encore du monolithe actuellement, au bout d'un an après, on a encore un bon bout de monolithe qui s'occupe de faire une partie du boulot. On a réussi à découper, on va dire, 60-70% de notre travail en microservices qui eux tournent très bien, on va dire qu'on en est quand même globalement content. Ce qui est vraiment génial aussi, c'est l'intégration. L'intégration d'un nouveau dev se fait assez simplement parce qu'en fait, on peut le mettre sur un service. Il a les tenants et les aboutissants sur ce service-là. Le pattern du command bus isole vraiment, vraiment les choses. Donc, il a besoin de connaître que quelques librairies, quelques repositories. Et il peut partir en production assez rapidement parce que s'il casse quelque chose, il ne cassera qu'un petit bout de l'application. Là, récemment, on a intégré une nouvelle personne. En un mois, il était prêt. Il avait commencé à développer tout un système assez perfectionné. Donc, sans avoir la compréhension globale de l'application qui commence à faire pas mal de lignes. On a choisi de mettre open source ce qu'on a mis en place au niveau de tout ce qui est protocole de communication avec RxNet. On est parti sur du ReactiveX. Il y a eu un bel effort en PHP pour faire un RxPHP qui permet de normaliser les promesses, les events, prendre le meilleur des deux et d'arriver à quelque chose qui permet de faire du non-bloquant beaucoup plus facilement et beaucoup plus simplement. Donc pour l'instant, il y a du ZMQ, il y a le serveur HTTPD. On commence à extraire de nos codes de production les informations pour l'open sourcer, le code pour l'open sourcer, mais ce n'est pas aussi simple que ça d'extraire le code qui tourne en production. Il y a quelques liens vers les manuels sur ce qu'on a utilisé. Donc la conf sur CQRS, pour aller plus loin sur le command bus, c'est que le C. Hein. Après, il y a le QRS qui peut être intéressant. Nous, on n'a pas tout fait. Simple bus, il y en a d'autres. Il y a Proof qui allait beaucoup plus loin, Broadway qui sont allés beaucoup plus loin sur du CQRS. Nous, on n'en avait pas besoin pour le moment. Le ZM Guide, c'est un conseil si vous voulez faire de la discussion de réseau. Il y a toutes les architectures possibles avec leurs avantages, leurs inconvénients. Donc que vous fassiez de la WebSocket, du 0MQ, de la socket classique, c'est génial. Ils ont pensé à peu près à tous les cas possibles et aux différentes architectures. Pour les WebSockets, on est parti sur Sruway. Vraiment, c'est une bonne librairie pour les WebSockets. On a trois publishers de WebSockets qui tournent là-dessus. C'est 100% PHP, ça rediffuse très très bien. On n'a pas de soucis pour gérer ça, et puis la doc sur le Reactive Programming et Kubernetes, qui est intéressant. On embauche à Clermont-Ferrand, donc s'il y a des motivés à l'étranger, ou en France, ou sur Clermont-Ferrand, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Des questions ? Merci pour votre attention, et si vous avez des questions... Donc je voulais revenir sur votre système de build, Jenkins, tout ça là. Donc en fait, j'ai bien compris que vous avez une code base monolithique. Mm-hmm. Et du coup, est-ce que quand vous déployez une mise à jour sur vos microservices, là, vous
vous faites un déploiement monolithique, c'est-à-dire que vous remplacez toutes les versions. Est-ce que vous vous autorisez plusieurs versions, vous voyez quoi, mélanger les versions entre microservices? Ah oui, on mélange complètement les versions. En fait, déjà, il y a une version, enfin, on a une seule code base, d'accord, mais on a un numéro de version sur cette code base pour chacun de nos builds, on va dire. Notre build de worker va avoir une version, notre build d'API va avoir une version, notre build frontal va avoir une version. Et au final, chacune de ces versions, on va garder une image de cette version-là et on va pouvoir avoir plusieurs microservices qui tournent sur des versions différentes sans aucun problème. Ok, ça pose pas de problème particulier de gestion, ça, parce que ça pourrait être un parti pris en fait de synchroniser tout pour justement éviter, je sais pas. Oui, mais au final, ça pourrait être un parti pris de tout synchroniser, mais au final, on n'a pas besoin de tout synchroniser. Ouais. Donc, on l'a pas pris, on n'a pas fait ce choix-là. Et donc, pour répondre à la partie sur les effets indésirables, non, on n'en a pas, parce qu'au final, on va dire qu'on a tout qui tourne sur notre version 1.0, tout qui tourne comme il faut. On veut modifier un de nos worker auction parce qu'on lui a fait des modifs. On a fait des modifs que ce worker-là, on n'a aucun intérêt à déployer la version sur tous nos microservices. On va juste la déployer sur le worker qu'on a besoin, qu'on va lui dire, toi, tu vas bosser avec la version 1.1. Les autres, tant qu'ils n'en ont pas besoin, on va les laisser sur la version stable, qui a fait ses preuves, on va dire. Ok. Merci. Bonjour, merci pour votre présentation, c'est super intéressant. J'ai une question concernant les logs. Le problème que j'ai aujourd'hui dans un univers de microservices, c'est quand j'ai une requête qui est très très loin dans l'univers de microservices qui est problématique, j'aimerais arriver à remonter jusqu'à l'appel initial qui a amené ce problème-là. Et aujourd'hui, j'ai que des solutions très SU pour réussir à remonter. Est-ce que vous avez, vous, une solution pour répondre à ça ? Au final, pour nous, une fois que la requête est passée dans la commande, tout se passe dans la commande. Donc l'appel HTTP initial, on a des fois on stocke l'utilisateur qui a fait l'appel HTTP initial, mais en fait, une fois que l'API a créé la commande et l'a déléguée, tout doit passer par la commande. Donc on essaye de stocker un maximum d'informations sur la commande pour avoir une vue complète et ne pas avoir à remonter sur ce qui a été reçu sur l'API au début. Ça répond à la question ? Ou en partie. Disons qu'il y a toujours un moment ou un autre où on tombe sur une commande qui est dans un état où on n'arrive pas à comprendre pourquoi elle est dans cet état. C'est à un moment, on voit la commande, on voit dans quel état elle est, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai cette commande. Ah, ça, c'est le log. Après, c'est on gratte dans le log. Ça, c'est l'avantage d'avoir centralisé le log, c'est que ça nous permet de rechercher la commande par ID. Et donc de voir tous les états par lesquels elle est passée sur les différents workers. Après, j'ai pas plus de magie que surveiller le log et stocker le maximum de métadonnées dans la commande. Oui, nous aussi, on pratique la technique de « Ah, ça a planté là, ben on va mettre un log pour la prochaine fois où ça se produit. » Ok, merci. Vous aviez votre monolithe au début, donc j'imagine que ça vous a donné une partie du découpage en microservices, mais est-ce que vous avez utilisé d'autres méthodes pour découper peut-être ce qui n'était pas forcément évident, type event storming ou d'autres, et est-ce que vous avez des retours là-dessus, sur comment je fais mon découpage en différents microservices ? J'ai entendu la moitié de la question, je suis désolé. Ah, pardon, je vais essayer de parler un peu plus dans le micro. Vous aviez votre monolithe au début, et donc j'imagine qu'il y a des services qui ont été assez évidents à découper, mais par contre, il y en a peut-être d'autres qui étaient beaucoup moins évidents. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme méthode pour réussir à faire ce découpage de manière à peu près correcte, ou pas ? Try and fail. Et au final, on a découpé, on a testé des découpages, on a vu que ça marchait moyennement, ou qu'on n'arrivait pas à isoler les bugs, ou qu'on n'arrivait pas à... Non, pour être honnête, en fait, on a fait, en même temps qu'on est passé sur les commandes bus, on a fait aussi un gros effort de passage sur les specs. On est passé sur Peridot et on a écrit nos specs bien proprement, lisible par un être humain. Je dis pas des tests, machin, des hits, que même quand on revient soi-même un an plus tard, on a du mal à le relire. C'est vraiment des phrases claires avec des contextes, des sous-contextes qui nous permettent d'avoir une description claire de la problématique écrite.
Ça, c'est la beauté des commandes bus, c'est qu'on peut écrire des specs et avoir un coverage de quasiment 95%. Donc, en écrivant ces specs, on voit les emmerdes, on commence à sentir les emmerdes. Après, on ne voit pas tout. Il y a des trucs, forcément, ça plante, on essaye, on échoue, on réessaye une autre fois. Mais le fait de mettre au clair tous nos processus métiers et donc de pouvoir, après, avoir du code qui correspond à ce qu'on a écrit dans les specs, nous a vraiment aidé pour faire les découpages. Merci. Bonjour. Je vois qu'on est d'accord sur Jenkins, sa magnifique interface. Est-ce que vous avez essayé un petit peu les pipelines avec la version 2.0 dans Jenkins ? Pas du tout. En fait, Jenkins, on a beaucoup, beaucoup simplifié. Au début, on l'utilisait pour beaucoup. Et au final, maintenant, le gros de notre boulot se fait par Docker. Au final, c'est qu'un packager de Docker, maintenant. On l'a utilisé dans tous les sens et finalement, on a réduit la voilure de plus en plus. Ok. Et question bête, au niveau outil ticketing, est-ce que vous avez quelque chose de particulier pour gérer un peu tout ce qui est version, justement, demande, évolution ? On a des outils de ticketing, mais qui ne sont pas vraiment liés à l'utilisation du microservice, en fait. On utilise les pivotal trackers avant, on utilise maintenant target process. Mais ce n'est pas des outils qui sont dédiés aux microservices, pour la gestion de microservices. Donc il y a un système de tags, d'étiquettes, et avec ça, on s'en débrouille, on va dire. Ok, merci. Bonjour, merci à vous pour votre présentation. J'avais une question, quel service utilisez-vous pour provider vos images Docker sur vos différents nœuds ? C'est Kubernetes qui fait le travail. En fait, Jenkins push sur une registrie privée, et après, quand on a besoin de faire le déploiement, parce qu'en fait, un build ne donne pas lieu à un déploiement, on déploie quand on a besoin. C'est ce qu'on a essayé vraiment de séparer, c'est que le build a lieu quand on lui demande, quand on crée une nouvelle version, mais par contre, le déploy, il a lieu quand nous, on choisit de le faire. Donc, on push sur une registrie privée, et après, c'est quand on veut faire un déploiement, ben là, on fait la commande de rolling update que vous a montré Étienne. Ok, merci. Une dernière question ? Merci pour la présentation. J'avais une petite question sur vos tests. Alors, je suppose que vous faites des tests sur vos services. Je voulais savoir si vous testiez en isolation, si vous faisiez des tests fonctionnels, des choses comme ça. On est parti pour le faire. On a mis à peu près sur tous nos services, on a un frontal, un HTTP. C'est pour ça aussi qu'on l'a développé, de façon à pouvoir le requêter assez simplement et aller lui demander des états. Pour l'instant, on n'a pas fait de test fonctionnel. On utilise le moniteur pour réagir. On est en train de partir sur plus de tests fonctionnels dessus, mais c'est assez complexe. C'est assez complexe à mettre en place. Ok, merci. Bonjour, merci pour le retour d'expérience. Moi j'avais une question, est-ce que vous mettez à disposition une API publique sur votre service ? Et est-ce qu'il vous arrive de maintenir des microservices dans deux états, deux versions en fait ? Par exemple une API publique que vous auriez en V1 et puis vous la faites passer en V2 et donc vous avez un petit peu un état... Alors actuellement non, on le fait pas, mais on n'aurait pas de problème à le faire. D'accord. C'est ça. C'est la logique de microservice. Oui, c'est vrai qu'actuellement, on va avoir notre microservice API qui va être en version 5. Si jamais je choisissais d'avoir mon service API Legacy, que je lui dise de bosser sur l'image 4.0, si j'ai gardé mon image 4.0, il n'y aura aucun problème. Oui. Le routage est assez simple. Donc, ajouter un nouveau service et le router vers tel autre conteneur en lui mettant un V2 point, c'est extrêmement simple à faire sur notre interface. D'accord. C'était plus orienté sur le data model, en fait, comment vous le gériez entre deux versions Vive le NoSQL. Okay. Ouais. Merci. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à aller voir les speakers directement, parce que maintenant, c'est la pause. Donc, reprise des conférences à 11h30. Dans cette salle, ce sera Lancez-vous dans l'Open Space. Et dans la salle B, PHP, même info ou la chasse au Memory Leaks. Merci à tous. Merci.